enlève tes chaussures, Lou, là. Voilà. Vas-y. Faut que j'enlève mes chaussures. Ouais. Tu prends des risques, là. Attention, une marche. Ouais. Attends, il y en a une autre. Une là. Autre, une autre. Voilà. C'est bon là. Allez, assieds-toi, attention. Assieds-toi. Allez, tout doucement. Oh, eh. Ah, ça sent la sauce soja, là, non? Il y a du sushi dans l'air, là. T'es fort, toi, t'es mon Colombo, toi. Ouais, si tu veux, il y a peu de resto français où t'enlèves tes grolles, quand même. Vas-y, allons tes jambes. Attends, aïe. Tout va bien. Voilà, content d'être avec toi, mon chouchou. D'habitude, à mon anniversaire, il y a toujours Jeannette et Daniel, et ça, c'est vraiment... Surprise! Et tu sais quoi, Jean? Quoi? Eh ben, on t'a acheté chacun un petit cadeau. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Non, mais dis pas tout de suite. Ah si, attends, Alex, allez. Attends, j'ai une idée. Vous me les donnez et je les déballe tout à l'heure. Ok? Bon anniversaire. Oh, merci, Daniel. C'est génial. Alors, super. Et moi, le mien, il est là. Oh, c'est gentil, mon amour. Je suis gâtée, je sais pas quoi dire. Oh, t'es venue aussi, toi, elle est là, elle aussi. Oh, merci, c'est trop. Je les avais pas, celle-là, en plus. Non, tu manges du sushi. Je redonne un petit peu. Oui, bah, bizarrement, tu vois, je lâchais le poisson pour le sushi. Hier, je suis allée chez le gynéco, tu sais. Ah, bah, je voulais te demander, justement, alors. J'ai des règles abondantes en ce moment. Qu'est-ce que je perds? Tu vois ce que je perds? Oh, oui, mais ça t'inquiète pas, c'est parce que t'es fatiguée en ce moment, c'est normal. Ouais, ça doit être ça, parce qu'en ce moment, c'est le bonbon, tout ça, ça me stresse. Ah, oui. Mais énorme, tu vois. Ah, oui, mais c'est normal. Tu sais, attends, il te rentre le bras jusque-là. Ah, ouais? Ah, ouais, quand même. Il a voulu me faire un frottis, il a pas pu. Tu verras ce que je perds. Ah, bah oui, mais ça, c'est, je te dis, c'est normal en ce moment. T'es fatiguée, tu perds. D'ailleurs, il se demandait si j'avais pas un fibrome, tu vois. Oh, bah, un fibrome, alors là, ça s'opère facilement, hein. Ah, oui. Là, Jacqueline essaie de enlever le sien. Oh là là, mais alors ma pauvre, si tu savais comme elle a souffert. Oh là, elle a souffert, tu peux pas t'imaginer. Attends, ils lui ont enlevé, mais presque une orange comme ça. Oh bah, une orange, un pamplemousse, souviens-toi. Oh, c'est quand même. Oh, ça a été atroce. Excuse-moi, là, t'as fini là? Oui. Ouais, bon. Tiens, Daniel, je t'ai parlé au fait de mon dernier toucher rectal? Non. Non? Non? Ouais, écoute, faut que je te raconte. Le médecin arrive, hop, il met les gants, monsieur, mettez-vous à quatre pattes. Franchement, Jean, arrête, écoute, on est en train de manger là. Attends, t'as là, profond le mec, hein. Jean, franchement, écoute. Ah, excusez-moi. Bon appétit, hein. Oh, écoute, on s'amuse. Hey, bon, pour ton anniversaire, je voudrais te donner cette carte. À moi? Oui, c'est pour toi, pour ton anniversaire. Ah bon? C'est Daniel lui-même qui l'a écrit. Ouais, pas vrai. Si, si. Très touché, Daniel. Bah alors vas-y, Lila. Attends, deux secondes, j'arrive. Bah alors, écoute, on est là, on attend. Ouais. Je sais pas si je dois la lire, là. Ah si, mais je t'en prie. Si, ouais. Allez, Loulou, allez. Ouais, bah je vais la lire, ouais. Ça me dérange pas, hein, vas-y. À un ami précieux et intime, je reconnais en toi un complice des plaisirs sensuels que nous partageons ensemble. Ton humour et ton intelligence me séduisent. Bon anniversaire, Daniel, bisous. Oh mon Daniel, c'est une belle carte, ça. En plus, ça décrit tellement bien votre relation, là, je trouve. Je vais te dire, je reçois une carte comme ça, mais moi, je fonds, tu vois, je te jure. Je fais la donne. Des cadeaux. Mais je vous ai pas acheté de cadeaux, moi, là. Oh, mec, Loulou. Ok, allez, on ouvre. Allez. Ça, c'est qui, ça? C'est qui? C'est le mien, celui-là. Et dis donc, c'est une belle boîte, ça. Ah oui, c'est moi qui l'ai décidé, pour Jean. Ah la vache, c'est vachement bien, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache, c'est génial, ça. C'est quoi? C'est un livre sur les anges gardiens. Ah ouais? Mais oui, tu sais, l'autre jour, on en parlait au bar. Je pensais que ça t'intéresserait. Ah bon? Oh, moi, j'ai hâte de le lire. Tu vas me le prêter, Loulou, hein? Ouais, je te le donne. Quelle chance, toi. Surtout que c'est un bouquin extraordinaire. Merci, Daniel. Et ça, alors, c'est ça. Et ça, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Jeannette. Allez, on reconnaît bien la couleur, le truc là. C'est quoi? C'est une casserole, c'est quoi ce truc là? Mais non, c'est un bain-marie. Alex m'a dit que vous en aviez pas, alors moi j'ai porté que. Jeannette, t'es folle. Regarde-moi ça. Le modèle norvégien, avec le téflon à l'intérieur. Jeannette, t'es folle, franchement, regarde-moi ça. Oh là là. Et les poignets galvanisés. Oh merci, Jeannette, merci les amis. Oh merci à toi. Je suis gâtée, moi. Et dis-moi, Jean, tu as pris ta journée là pour ton anniversaire? Bah, tu parles, il a travaillé toute la journée, oui. Ouais, mais ça n'empêche que les mecs au bureau, je veux dire, ils m'ont préparé une fête de folie. Hein. Ah bon? Tu sais ce qu'ils m'ont acheté? Non. Un agenda électronique. Oh, dis donc, ils sont pas moqués de toi, je veux dire. Attends, c'est qui les gens du bureau là? Hein?
C'est qui? Bah tout le monde, quoi. Tout le monde. Ouais. Isabelle aussi? Ah ouais, c'est elle qui a préparé la fête, quoi. Bon, alors j'imagine que c'est elle qui a eu l'idée d'acheter un agenda électronique. Ouais, bah oui, sûrement. Ouais, et si moi j'avais acheté le même, par exemple, hein, c'est même pas le dernier modèle, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Pourquoi t'as... Non, mais t'aurais changé lequel? Le sien ou le mien? Mais qu'est-ce qu'il y a d'un coup, là? Non mais imagine, j'achète le même. Hein, alors moi je vais au magasin, puis je dis... Excusez-moi, madame, je viens l'échanger parce qu'il y a une greluche là qui a acheté celui-là à mon copain. Hein? Alors vas-y, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Mais qu'est-ce que t'as là-haut? Arrête de t'emporter là! C'est incroyable! De toute façon, il y a peu de chance que tu m'achètes un agenda électronique. Ah oui, et pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois que t'achètes des cadeaux, c'est pour ta pomme, tu vois! Ah, ah, t'es gonflé! Allez, oh, arrête de faire le bébé là! Non, je te le donne pas! Mais donne-moi vos cadeaux, Alex! Non, j'ai plus envie! Mais on est venu là pour ça! T'as qu'à aller demander à Isabelle qu'elle te le donne! Donne-moi ce cadeau! Non, je t'ai dit non! Cadeau. Non, je vais le garder pour moi, ton cadeau qui m'intéresse. Bon, écoute, nous, on va peut-être y aller. Non, vous bougez pas. Ouais. Oh là là, oh, calme-toi, Alex. Excuse-moi, Jeannette, excuse-moi. Non. Bon cadeau. Bon, d'accord. C'est quoi? C'est quoi? C'est une couverture chauffante. Tu sais comment j'ai froid, mon hiver, en plus, regarde, c'est en laine et tout, regarde-moi ça, dis donc.